faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Je vais. Voilà, c'est une pétrolière. Alors, les gens, il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c'est fort. Et moi, je me suis fait avoir par sa beauté, par la religion, le fait que quand je rentrais à la maison, elle lisait « Femme promise au paradis », fallait me voir. J'étais bu. Et en fait, je m'investis. Je lui donne tout. Je lui donne un toit. Je lui donne à manger. Je lui donne de l'argent. J'ai plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Va faire le shopping pendant que je travaille. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là? Donc, tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage? Je vais t'expliquer tout ça. Ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je me lève et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone, faut pas que je fouille, faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. T'as eu un ressenti? Je sais pas pourquoi. Et je me réveille, je me dis, faut que j'aille dans ses comptes bloqués Snap. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi, Sam. J'avais aucune preuve. Donc, je me réveille, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je contacte un des mecs, un seul. Donc, je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en Europe. J'ai dit, quoi? Il m'envoie des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, t'as 2 heures pour régler, parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, t'as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme, sans voile, en string, sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qui s'est tapé avec elle. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi. Mais moi, je vais un peu le voir parce que pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil. Mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je dis, s'il te plaît, dis-le-moi. Elle me dit non. À la troisième fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Puis la troisième me dit non, mais ça, c'était novembre d'avant. Alors que c'était novembre de là, je le savais, mais je l'ai gardé pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais... je me pose, je me dis, il y a un truc qui va pas. À bout, il y a un truc qui va pas. Et là, instinct encore. Je me dis, mais à bout, les 5 autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés? Tu vas leur parler? Je vais en parler à un. Ouais. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, juste la veille que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare, le 5 mai, elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire, désolé du terme, baiser. Tu vois tout? Je vois tout. Comment tu réagis? Je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose, il me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit, c'est pas une fille pour toi. Le mec, il est comme ça. Il me dit, en plus, là, je l'ai vu en janvier, février, donc après ma demande, et je l'ai vu là, après le ramadan. Je dis, quoi? Il me dit, frérot, laisse tomber. Je dis, comme ça, laisse tomber. Je dis, t'as fait un truc avec? Il me dit, franchement, laisse tomber. Comment c'est un bon? Il voulait pas me faire de mal. Hein. Il voulait pas me faire de mal. Hein. Je dis, s'il te plaît, envoie-moi des preuves, j'y crois pas. Ok. Et il m'envoie. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Et là, frère, tu m'as perdu. Là, mon gars, j'ai... c'est relou. Hein. Fallait me voir. J'étais tout maigre. T'as perdu combien de kilos? 15. 15 kilos? Ouais. On m'a ramassé comme une pauvre merde, je suis tombé 2 fois. Je suis allé à un centre commercial et je suis tombé. Perte de connaissance? Perte de connaissance, j'étais faible, Sam. Dieu va s'occuper d'elle. Ce qu'elle a fait, c'est grave, parce qu'il faut savoir qu'elle couche avec d'autres.